Good morgen, allez, il y a une chose aujourd'hui, le Nishmat Richard Ron, Ben Fortune Mazal Claudis, Rek Ben Fortune Mazal Dani, Myriam Bat Elisa Sayak, et Sol Vanish Lebet Delmar. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Sekhet Yoma Perik Vav, Mishnah Hei, Al Kol Souka Vesouka Mrimlo, Aremazon Varemaim, ou Melavin Otto Misouka le Souka, Chous Macharona Shebaem, Shenomagia Imolatsouk, Ela Omed Merachok, Vero Et Maasav. On continue en fait le sujet de la Mishnah précédente, c'est-à-dire depuis le début du chapitre, on est en train de s'intéresser au Sa'ir à Mishtaleach, le bouc émissaire qui porte les fautes du peuple d'Israël, qu'il faut depuis Yerushalayim l'envoyer avec un délégué jusqu'à la falaise, une falaise qui se trouvait loin d'Yerushalayim, il fallait partir à pied là-bas, pour aller le jeter et qu'il allait se décomposer en dégringolant la falaise. On a parlé dans la Mishnah Aleph, de l'allure du Sa'ir, de la Mishnah Bet, on a expliqué que le Kohen Gadol faisait un vidouille sur ce bouc. Mishnah Gimel, on avait vu qu'on nommait un délégué. Mishnah Dalet, on avait expliqué sa manière dont il sortait du Yerushalayim, il passait sur une rampe. Et puis là-bas, on avait évoqué qu'il y avait, en fait, de Yerushalayim jusqu'au Tzouk, jusqu'à la falaise, il y avait l'équivalent de 90 rousses, j'avais pas fait le calcul en fait, pour vous donner une idée quand même, ça fait l'équivalent de 90 fois 266, ça fait 23 940, divisé ça par 2 plus ou moins, ça vous fait, il y avait à peu près 11 km quand même, hein. C'est beaucoup, d'accord? Non, j'ai des bêtises, ça veut dire il y avait en fait 50 cm plutôt, oui, ça fait l'équivalent de 11 km, 11 970 amas, 2 amas, en amas ça fait 23 940 amas, si une amas c'est 50 cm, il devait marcher 11 km, c'est quand même assez important comme distance. Il y avait, en tout cas, durant toute cette longue marche, il y avait plusieurs bornes, il y avait 10 bornes, chacune à 7,5, c'est-à-dire à 2000 amas, l'équivalent de 1 km en fait, on peut le dire comme ça, il y avait l'équivalent de 1 km, il y avait à chaque fois une borne, donc il a au total l'équivalent de presque, on a dit 12 km. On a au total presque donc 12 km. La première borne, c'est Yerushalayim. Deuxième borne, c'est le souk là-bas. Il n'y a pas de petite cabane. Donc on mettait les cabanes au milieu. Il y avait à peu près, donc tous les kilomètres, il y avait à peu près une cabane. Et la Mishnah maintenant m'enseigne. Alkol souka vesouka, à chaque cabane et cabane. Omrimlo, on lui disait lorsqu'il arrive à la cabane, on lui disait repose-toi, prends ton temps, calme-toi. Aremazon ou Aremaim, voilà de la nourriture, voilà de l'eau. C'est vrai que c'est Yom Kippour pour nous, mais si toi tu veux, si tu sens que tu es faible, tu es en faiblesse physique au point de t'évanouir, sache que maintenant, tu as le droit, tu seras donc en Pikor Nefesh, tu auras le droit de manger, tu auras le droit de boire. Si tu veux, tu manges, tu bois. Et le Barthénois précise qu'en réalité, on lui disait ça juste pour calmer son Yitzhara, parce que les choses qu'on n'a pas le droit de faire, elles nous attirent. Dès qu'on a le droit de les faire, elles ne nous attirent plus. C'est une grande règle malheureusement. C'est la réalité du monde, ce qu'on n'a pas, on le désire. L'arbre du voisin est toujours plus vert, en deux mots, en français. Donc, en fait, Yom Kippour, on se sent faible parce qu'on jeûne. On lui dit, tu sais, toi, si tu te sens faible, tu manges, tu bois, il n'y a pas de problème. Du coup, il se sent fort pour dire, bon, alors non, je ne mange pas. Et réellement, il ne mangeait jamais, en réalité. D'accord? Comme ça, c'est dit dans le Barthénois. Donc, alcool, souka, vesouka, à chaque, et cabane, on lui disait, arémazone, voilà donc de la nourriture, arémaïm, voilà de l'eau. Vous me lavez notre homme, souka de souka, et en plus de ça, d'une souka à l'autre, les gens qui étaient dans une souka pouvaient marcher jusqu'à l'autre souka, puisqu'il n'y avait pas encore Alpa et Mama d'une à l'autre. S'il y avait plus qu'Alpa et Mama, ils n'auraient plus le droit de sortir. Mais étant donné qu'on avait fait le calcul qu'il n'y avait que 1995 Ama, donc ils ont le droit de partir jusqu'à là-bas et l'accompagner jusqu'à la prochaine souka. Ok? Chutz Macharona Shaban, à l'exception de la dernière souka, Sheino Magaïmo la souka, que personne ne partait avec lui au Tzouk, à la falaise pour le tuer. C'est-à-dire, on restait là, et pour le laisser partir, tout seul, en direction de la falaise, pour ensuite aller faire dégringoler le bouc. Et là, Omed Merachok, mais plutôt les gens qui étaient là-bas, les Kohen, ceux qui l'accompagnaient, Omed Merachok, il reste là-bas de loin, Veroet Maasav, et il assiste au spectacle, donc de voir comment est-ce qu'il prend le bouc émissaire pour le jeter depuis la falaise et le voir dégringoler, comme ça, il s'assure que les fautes du peuple d'Israël ont bien été expiées. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.